Quel est votre nom et votre fonction? Alors, je m'appelle Marc Torrejos et je suis le président de l'association Salicorne, une association qui, entre autres, s'occupe de la sauvegarde du petit patrimoine local. D'accord. Et quel est votre rôle dans l'organisation du chantier des quoi? Ben, mon rôle, c'est d'être un petit peu la locomotive parce que je suis à l'origine du début de ce chantier. Et j'ai souhaité que des élèves s'investissent parce que ça m'a paru très important d'une part pour leur formation et d'autre part également pour les sensibiliser sur l'importance de sauvegarder le patrimoine et de restaurer des bâtiments en pierre qui ont quand même un passé historique intéressant. Et quels sont les points positifs de ce chantier école pour l'organisation ? Ben, ce sont ceux que je viens d'évoquer dans l'objectif. L'objectif qu'on atteint, parce que c'est vraiment une rénovation. Quand on voit l'état du bâtiment initialement et quand on voit ce qui a été réalisé maintenant, c'est déjà très beau. On peut dire qu'on est en 80% de la sauvegarde du bâtiment. Donc l'objectif est déjà au 4/5 atteint. D'accord. Bon, ben, merci de votre participation. Merci à vous.